Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Warren, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez. Ici, vous êtes sur Diaspora Africaine et Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat et on parle de vie aux États-Unis également. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez la vidéo autour de vous. Et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de quelque chose que je réalise que... C'est-à-dire, quand j'ai immigré aux États-Unis, déjà, je suis venu en qualité d'étudiant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en venant en qualité d'étudiant, bien évidemment, je suis venu pour apprendre, je suis venu pour, comme on dit vulgairement, chercher la vie aux États-Unis. Et puis voilà. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, comme tout le monde, bien évidemment, de temps en temps, tu as des problèmes de santé. Et je suis tombé malade, bien évidemment. Quand je suis tombé malade, on devait me faire une batterie d'examen, en fait. On devait me faire une batterie d'examen pour comprendre un peu la raison pour laquelle j'étais tombé malade et tout ce qui va avec. Ils ont fait plusieurs examens. Et le truc, c'est que quand ils ont fait plusieurs examens, ils ont réalisé en fait que je n'avais rien. Grâce à Dieu, je n'avais rien. Mais le truc, c'est que par rapport à la... Ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi est-ce que j'étais tombé malade. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gars ont commencé à beaucoup me poser des questions. Est-ce qu'il y a des antécédents dans ta famille, ce genre de choses-là, etc., etc. Toutes les réponses étaient bien évidemment négatives. Parce que voilà, il n'y avait pas quelqu'un dans ma famille qui avait des antécédents d'une certaine pathologie quelconque. On essaye d'être des personnes en bonne santé et puis Dieu veille sur nous et puis voilà. Mais le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que premièrement, voilà, il faut aussi que je précise ça. C'est-à-dire quand on m'avait amené à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pratiquement en train de faire, on va dire ça comme j'étais en train de faire un AVC en fait. C'est-à-dire quand on a regardé ça, on dit en fait que j'étais pratiquement sur le bord de faire un AVC. Du coup, on ne comprenait pas pourquoi. Voilà, et puis on est parti. Bon, grâce à Dieu, on est parti à temps à l'hôpital. Et les gars ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'étais une période de faire un AVC. On a essayé de regarder dans mon historique et tout ce qui va avec, mais on n'a rien trouvé. Ils n'ont rien détecté. On a fait une batterie d'examen, scanner, rien. Et le truc, c'est qu'ils se posaient des questions de savoir comment est-ce qu'ils peuvent expliquer cela, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer cela? Et du coup, ils n'ont pas trouvé d'explication, bien évidemment. Et du coup, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est quoi? C'est-à-dire, indirectement, j'ai commencé à être un objet de recherche pour eux. Écoutez bien ce qui va se passer. Le truc, c'est que quand je commence à être un objet de recherche pour eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on te dit par exemple, oh, il faut faire tel ou tel examen, il faut faire tel ou tel chose, il faut faire tel ou tel chose. Après un moment donné, je dis, mais au final, est-ce que c'est toujours dans le traitement, je sais pas moi, vous allez me donner bien tout ce qui va avec? En fait, les gars disent non, c'est pas dedans et tout, c'est juste que bon, on est en train de voir ce qui n'a pas marché, tout ce que, parce qu'on essaie. On essaye de comprendre pourquoi est-ce que tu as eu ça, en fait. Et les gars n'arrivaient pas à expliquer cela. Alors, quand les gars n'arrivaient pas à expliquer cela, ils ont commencé encore à me faire plusieurs parties de recherche. Et du coup, au moment donné, j'ai dit non, moi j'arrête ça. J'arrête ça parce que ça n'avait plus de sens pour moi, en fait. C'est-à-dire que ça n'avait plus de sens pour moi parce que je partais du principe que là, on commence à te dire de faire certaines choses. Et même là, le truc, c'est que les gars avaient même fait une opération. C'est-à-dire que les gars avaient programmé une opération là où les gars voulaient en fait me faire une opération pour savoir ce qui s'est passé, en fait. Et du coup, j'ai refusé parce que j'estimais que c'est pas moi qui vais être l'objet de vos recherches, en fait. C'est-à-dire, si vous voulez trouver un autre cobaye, mais c'est pas moi. Et j'ai refusé. Alors, pourquoi est-ce que je prends le temps de te parler de ça? Parce que récemment, en fait, j'ai été choqué par rapport à un jeune homme que j'ai connu. C'est que
Le jeune homme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme, en fait, il avait l'épilepsie. Ce que tu vois. Le jeune homme avait l'épilepsie. Et du coup, c'est quelqu'un qui, à part son épilepsie, c'est quelqu'un qui était du moins normal. C'est-à-dire, il avait juste des cris d'épilepsie et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les gars, pour essayer de lutter contre ces cris d'épilepsie, les gars lui ont fait une opération au niveau du cerveau. Et ce qui s'est passé, c'est que le gars aujourd'hui, après l'opération là, le gars ne parle plus et ne marche plus. C'est-à-dire, je réalise en fait que non seulement ils ont raté l'opération, mais en même temps aussi, ils ont aggravé le cas de ce jeune homme là en fait. Et aujourd'hui, il ne marche plus, il ne parle plus. Il est à la limite, voilà, c'est il est devenu un attardé en fait. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que, vous savez, nous souvent, du moins, nous les Africains, quand on vient se chercher en Occident, comment on est toujours en train de dire que oui, la médecine occidentale est la meilleure, enfin, entre guillemets, disons ça comme ça, elle est la meilleure et tout ce qui va avec. Ce qui fait que du coup, à un moment donné, on fait souvent une confiance aveugle et totale à la médecine occidentale parce qu'on part du principe que non seulement les médecins sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et le danger avec ils savent ce qu'ils font, c'est que à un moment donné, ça t'expose. Ça t'expose pourquoi? Parce que moi, par exemple, dans mon cas, oui, j'ai eu une situation là où ça peut arriver, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais le truc, c'est que est-ce que ça nécessitait forcément que je fasse l'objet de leur recherche? Non, je ne pense pas. Parce que le truc, c'est que qu'est-ce qui ne me dit pas que en faisant plusieurs choses sur moi, ils devaient même encore peut-être déclencher des choses que je n'avais même pas au départ, en fait. Et c'est la même chose qui s'est passée avec le jeune homme là. C'est-à-dire, le jeune homme avait l'épilepsie et du coup, au lieu de traiter son épilepsie, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert le cerveau et malheureusement, ce qu'on a fait, c'est que on a endommagé même les parties de son cerveau, en fait. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à faire attention avec ce qui se passe autour de nous, en fait. Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est-à-dire que chez nous, en Afrique, malheureusement, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que on brille en ce qui concerne le fait de négativiser notre médecine, en fait. On brille en ce qui concerne le fait de dénigrer notre médecine dans le sens là où on dit oui, la médecine africaine, il n'y a rien, les faux docteurs comme ça. On passe le temps à dire ça à longueur de journée. Mais alors que même aux États-Unis, mais il y a des erreurs, les erreurs d'opération tous les jours. Mais vous savez pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils partent du principe que les erreurs, surtout en médecine, ce ne sont pas des choses qu'il faut parler. Parce que ce que ça fait, c'est que ça fait un mauvais marketing au monde de la santé. Mais nous, les Africains, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours tendance à diaboliser la santé en Afrique. Oui, il y a des problèmes de santé en Afrique. Mais est-ce que il n'y a pas de problème de santé partout? Enfin, les erreurs de chirurgie, il y a ça partout. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de rendre catastrophique ce qui se passe chez nous en Afrique? Et une fois, j'avais discuté avec quelqu'un qui disait que non, moi actuellement, je ne sais pas si je dois vraiment rentrer en Afrique parce que le système de santé n'est pas adapté. Mais en fait, il avait simplement répondu en disant que mais faut pas oublier une chose, c'est que tu es né dans ce système de santé là et qu'on a des grands-parents qui vieillissent dans ce système de santé. Le truc, c'est que quand c'est ton jour, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir en fait. Que de chercher les excuses en voulant toujours diaboliser le fait que oui, l'Afrique a ceci, l'Afrique a cela. Il faut qu'on arrête ça. Donc, moi, je voulais vraiment te partager ça, que tu comprennes que les erreurs de santé, il y a ça partout. Mais le plus important, c'est que il faut faire attention, en fait. C'est-à-dire, quand tu sens que on veut maintenant t'amener dans les choses qui n'étaient pas prévues, mon ami, ne va pas donner ton corps là-bas. Sinon, tu vas être l'objet de leur recherche, quoi. Donc, fais attention à toi. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire si toi, tu avais vécu une histoire similaire comme ça ou bien peut-être quelqu'un de ton entourage qui avait vécu une histoire comme ça. Laisse-les-moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.